Je voulais bien sûr tout de suite vous remercier de Karine et Pierre de son accueil dans son cours de maîtrise. Et c'est, je crois, un très bon moment et un endroit pour parler du droit de base, parce que c'est vrai qu'après le baccalauréat, il n'est pas question pour parler du droit de base. C'est techniquement en maîtrise, vers les étudiants qui s'orientent peut-être pour se lancer vers la recherche, que ce thème là peut effectivement tout à fait intéresser, puisqu'il est tout à fait susceptible de susciter des vocations sur les thèmes de recherche qui sont extrêmement nombreux dans ce droit, ce qu'on appelle le droit global. Donc, je suis très heureux donc, d'être accueilli par mon collègue Karine dans cette instance, dans ce cadre-là, et de vous rencontrer, et j'espère que vous aurez une discussion après une communication d'une petite heure, hein, en principe, et que moi, je ne sais pas pour laquelle je ferai les choses, non, ce sera une petite heure, et puis je pense qu'on aura donc après une autre heure peut-être ouverte à la discussion avec ceux qui sont là. Et bien sûr, je profite ici de vous dire de cette conférence pour dire mon plaisir d'être accueilli à l'Université de Montréal. C'était à l'occasion de notre semestre sabbatique que j'ai obtenu en France et c'était effectivement une ambition que de venir. J'ai été venu assez longtemps à Montréal, à l'Université de Montréal à l'époque. Je l'ai rencontré, mais je n'ai invité qu'à Montréal, par ailleurs, ici. Et j'ai fait une petite conférence qui à l'époque c'était du droit administratif, du classique français. Enfin, j'ai entre temps le projet de recherche sur les études de l'été dans les directions les plus diverses. Et donc, je suis très content de revenir à Montréal. J'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qui se fait en termes de recherche dans les universités à Montréal. Et de remercier donc, même s'il n'est pas là, le doyen, de remercier aussi Stéphane Rousseau de leur accueil ces jours-ci et de leur accueil aussi chaleureux par mail, quand je leur ai demandé effectivement de m'accueillir pour un mois à Mobile, puis de remercier aussi Vincent, qui connaît le directeur du CRDP. Et son accueil au CRDP, c'est vraiment un endroit très susceptible, très calme, très incitatif pour faire une recherche sur les qualités. Merci beaucoup. Merci. Et on a rajouté que ce séjour, à la demande de l'intéressé, voilà, se déroule. Figurez-vous un Français du sud de la France qui veut venir ici en plein hiver et qui est servi à cette bande. Avec une tempête, on va plus venir. Je Montréal en hiver, pour moi, on ne connaissait pas Montréal. Si on vit en septembre-octobre, c'est vrai que c'est une saison tout à fait différente. C'est très attirant aussi à côté indien, mais je crois que dans l'hiver, c'est quand même très bien aussi. Et je ne suis pas mécontent, finalement, d'être venu ici en hiver, même si je ne connais pas peut-être pas, mais finalement, bon, ça va. Voilà, donc, en quelque sorte, je commence donc sur le contenu de ma conférence pour dire qu'au fond, le droit global, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas comme le droit constitutionnel, comme le droit civil, comme le droit administratif, comme les finances publiques, notamment. Bon. Et du moins, si ça existe, ça existe d'une autre manière. La question est de savoir effectivement comment ça existe en tant que droit. Puisque en tant que juriste, l'existence du droit, c'est la validité. Donc le droit, c'est valide sur le plan juridique. C'est quand même assez compliqué. Et donc c'est au fond un objet un peu complexe. Alors il faut comprendre en réalité que. Quand on parle de droit global, on parle au fond de deux choses, mais d'abord on parle de la science du droit. C'est-à-dire que le droit global, c'est les global lawyers, comme dit Benoît Friedman ou comme Michel Dufaras. C'est-à-dire ce sont des théoriciens du droit plutôt, voire des juristes qui travaillent dans certains domaines, dans notamment d'ailleurs en ce moment les droits internationaux, dans le domaine de droit international, qui au fond ont employé ce terme de droit global. Comme une façon de regrouper des connaissances, de travailler sur une nouvelle méthode. Je pense que c'est avec une vocation d'ailleurs de parfois un peu juste naturaliste, hein, l'idée que le droit global, le global c'est l'universel, c'est ce qui parfois rapporte à la justice internationale, à la façon de biens communs internationaux, etc. Donc l'idée de valeurs qui peuvent éventuellement aussi inspirer le droit. Et donc au fond, on a une école du droit global qui ressemble un petit peu à l'école du droit naturel moderne du 16e, 18e siècle, et qui ne correspondait pas du tout au grand positif de l'époque, d'ailleurs, mais c'est pareil, après tout ici. Donc c'est un travail scientifique, un travail de vision du droit, et qui, bien évidemment, n'est pas simplement une pure spéculation, qui aussi veut regarder peut-être des tendances dans le droit établi, et qui détecte des tensions, des réalités, des objets qui seraient le révélateur du droit global. Donc il y a à la fois, il faut une école,
qui est dans les facultés de droit, parce que parfois les juristes professionnels parlent de droit global. Il y a beaucoup d'applications de la terre, ça s'appelle global, ferme, mais en réalité, ils ne revoient pas l'idée du droit global tel qu'il est défendu par les global lawyers. Ou encore, moi j'ai aussi un article du vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, qui parle du droit global, mais enfin il en parle pour des raisons professionnelles, en quelque sorte, pour défendre le droit français contre le droit américain, donc des choses de ce genre. Mais c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, c'est vraiment caractéristique du sens du droit, plutôt de touchant à la fois la philosophie du droit et la discipline du droit, mais par ailleurs, en fait, qui vit des objets qui existent aussi. Donc il y a aussi, parce qu'au fond, c'est pas. Au fond, comme d'ailleurs, l'école droit naturel aussi disait la naissance, effectivement, avec le droit des gens, la naissance de quelques lignements d'un droit international qui n'était pas encore vraiment à l'époque. Donc il y a des réalités aussi, des objets, parfois un peu bizarres, parfois pas bizarres du tout. Des objets d'ailleurs qui sont étudiés par d'autres juristes très simplement sans faire référence au droit global, mais qui sont regardés par les global lawyers avec un regard différent, un peu décalé, et qui apportent quelque chose à l'analyse de ces données, plutôt d'analyse sans le recours à la notion de droit global. Donc c'est un terrain un peu glissant, parce que quand on parle de droit global, il faut penser qu'on parle d'une méthode, qu'on parle d'une approche scientifique du droit, et qui fait référence à des objets qui peuvent très bien être étudiés en dehors de la référence au droit global, mais qui, étudiés par le biais du droit global, se révèlent avec des aspects peut-être un peu novateur et par conséquent qui légitime en quelque sorte, je crois que le micro là commence à tourner, à augmenter de volume, est-ce qu'on peut le baisser un petit peu, ça résonne beaucoup, je ne sais pas à qui je m'adresse pour que le micro puisse, ou alors je vais simplement parler plus loin tout simplement, voilà, donc peut-être pour enregistrer tout simplement aussi que c'est comme ça, voilà. Donc c'est un point important de maintenir, d'avoir à l'idée cette question effectivement des sources du droit global. Ce sont finalement des sources intellectuelles, des sources philosophiques parfois, des sources parfois même de juste naturalisme moderne et contemporain, mais c'est aussi des objets, et des objets concrets, simplement regardés de façon un peu différente. Il y a un auteur qui vient d'écrire, c'est un ouvrage qui date de 2015, c'est Nel Volker, d'ailleurs dont nous parlerons bientôt ensemble à Bruxelles au mois de mai, qui a une publication à Cambridge University Press, Intimation of Global Law. Intimation, c'est très difficile à traduire en français, mais c'est l'annonce de l'avènement de peut-être du droit global. Et c'est donc l'idée effectivement que je viens de dédier ici. Le droit global, c'est effectivement un travail scientifique, mais qui porte quand même sur des objets qui sont en train d'advenir, qui adviennent, qui sont déjà advenus, qui sont peut-être encore fragiles, qui rencontrent beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves. Tout n'est pas forcément, je dirais, tout ne va pas dans le sens du droit global, mais il y a quand même des éléments qui vont dans ce sens. Il y a des échecs, peut-être, de cette annonce-là, mais ces échecs ne sont pas de nature à décevoir ou à décourager complètement les scientifiques. Donc c'est cette idée d'intimation de global law qui est défendue par Volker. Je ferai en quelque sorte les caractères d'une annonce d'un avènement, caractère suggéré, en quelque sorte, du droit global, qui par définition, par conséquent, le droit global ne peut pas produire, je reprends ici des mots de Volker, ce qui caractérise traditionnellement la structure du droit moderne, il ne peut pas invoquer quoi que ce soit de méthode traditionnelle, c'est-à-dire on regarde le droit, les sources sociales du droit pour déterminer ce qu'est le droit, on regarde les décisions du passé pour faire des positions de droit nouvelles, là, le droit global ne peut pas effectivement se reposer sur ces critères, sur ces méthodes. Il est tout entier une forme de projection, je reprends le mot de Volker, et fondée sur la reconnaissance d'un écart, d'un gap, entre ce qu'est la réalité aujourd'hui du droit, et entre ce qu'est aujourd'hui la légalité, et ce que la légalité doit devenir ou pourrait devenir dans un proche avenir. Donc c'est entre deux que se signale en quelque sorte le global law, qui tantôt en fait donc est regardé plutôt comme de la science du droit, voire de la philosophie du droit, tantôt est regardé comme des objets existants du droit dans le monde en quelque sorte. Mais c'est l'un et l'autre, c'est l'un ou l'autre, on est toujours effectivement sur ces deux pieds, et pas forcément pour marcher plus facilement, parce qu'en fait, ces deux gens ne sont pas forcément de la même hauteur, parfois. Voilà. Donc, je me propose, dans ce contexte-là, de faire trois choses. D'abord, pour être à la limite aussi concret que possible, parce que, autrement, les choses sont très abstraites, partir
d'exemples de fonds d'objets dont je viens de parler qui se rapportent ou qui peuvent être recouverts par le droit global. On va dire qu'ils ne sont pas nécessairement des objets de droit global, mais qui, encore une fois, sont traités par beaucoup de juristes indépendamment de toute pensée sur le droit global, mais qui peuvent être saisis par le droit global. Donc, en prenant des exemples d'ailleurs tirés de ma propre recherche, en réalité, souvent, ce sont d'ailleurs des recherches collectives menées à Aix ou même globalement, avec, je dirais, dans le cadre même de. Avec des recherches même internationales, et donc, dans un premier temps, dans des exemples. Deuxièmement, dans un second temps, de façon plus rapide et cursive, puisqu'il s'agit de parler au fond du droit global, notamment comme des écoles scientifiques, des éléments de la science du droit, de voir qu'en réalité, il y a quand même plusieurs écoles dans le droit global, donc ça serait. C'est-à-dire, encore une fois, l'ouvrage de Dan Walker est passionnant pour ça, parce qu'il fait une description. Exhaustive de toutes les écoles du droit global d'une façon très originale. On trouve d'ailleurs ce genre de travaux ici dans les travaux de Donald Friedman par ailleurs, mais chez Neil Walker ici, il y a tout à fait une vision très très large et très englobante de toutes les approches possibles du droit global. Donc je me servirai peut-être un petit peu de son ouvrage pour présenter rapidement quelques écoles, comme par exemple le Global Administrative Law ou le constitutionnalisme global, le néo-constitutionnalisme, des choses comme ça. Bon. Et puis, enfin, peut-être pour la partie la plus longue, qui devrait être centrale pour moi, mais je verrai si le temps me permet d'en traiter aussi complètement que je le souhaite, faire une distinction sur, au fond, m'apparaît comme vraiment deux grandes approches, ou au moins deux grands champs dans le droit global qui sont vraiment très distincts, et peut-être pas finalement tant que ça. Donc, je n'en dis pas plus pour le moment. Je dirais, pour préciser les choses tout de suite, je parlerai du droit global comme, au fond, une méthode d'interprétation du droit établi. Dans le cadre effectivement de la mise en œuvre d'interprétation ou reconstruction du droit établi à partir de grands principes qui sont de la nature du droit, de la justice, etc. C'est l'aspect effectivement que traite beaucoup Dan Walker. Le droit global comme double normativité, pour reprendre le terme de Dan Walker, double normativité, à la fois la normativité du droit établi, la normativité des principes moraux qui interprètent le droit établi. C'est un peu d'orkinien, c'est un petit peu qu'on approche parfois. Et une autre approche du droit global qui serait le droit global, pour reprendre cette fois-ci un mot de Karim, le droit global qui s'intéresse aux nouvelles normativités, c'est-à-dire aux nouvelles sources sociales du droit, aux normes émergentes, en dehors des sources que sont la loi, les traités, les coutumes, etc., les constitutions, avec des normes souvent privées ou publiques, mais d'une forme particulière. Et donc, c'est le droit global comme interprétation du droit établi à partir effectivement d'une vision très ascendante, et le droit global comme regarder de nouvelles sources sociales. Et donc, ces deux choses, je crois, assez différentes, mais on aura l'occasion d'interpréter cette distinction. Donc, je commence par des exemples du droit global tel qu'il se donne à voir dans certains faits, dans certaines données du monde. Bien sûr, notre monde, hein, c'est un monde. Il n'est pas le monde de la physique ou de la chimie, encore qu'on ne sait jamais, évidemment, jusqu'où nous mènera un jour la conception de la réalité physique, mais en tout cas, ce sont des faits psychologiques, des données de la pensée, hein, dont on parle, et qui sont aussi réelles peut-être que le monde des données scientifiques. En tout cas, donc, dans ce monde-là, effectivement, il y a des choses qui, et je prendrai ici des exemples tirés de mes travaux. Alors, 4-5 exemples, pour aller vite, on a travaillé il y a quelques années, fin des années 2000, en 2009 en particulier, sur ce qu'on appelle la culture judiciaire européenne. Et d'ailleurs, c'était un rapport qui a été fait à l'initiative de la mission de recherche de droit et justice, qui est un organisme de financement de la recherche juridique en France assez important. Et la culture judiciaire européenne, mais aussi d'abord, bien sûr, le fait qu'en Europe, il y a... sur le fondement de la CEDH, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'article 6, il y a des principes communs de justice qui font qu'il y a une culture judiciaire commune, une culture commune. Mais en réalité, on s'est bien rendu compte, c'était pas ça finalement le plus important, c'était assez connu, mais qu'en réalité, il y avait aussi, ça participait à la culture judiciaire européenne, et parce que cette culture commune, en réalité, ne permet pas en cause la diversité des systèmes judiciaires nationaux, même des cultures juridiques nationales en Europe, dans les 25, 26, 27 États membres de l'Union européenne,
et que par conséquent, cette culture commune ne suffisait pas à harmoniser en réalité le système judiciaire, et qu'en fait, dans une Europe qui change, se développe considérablement, où les juges doivent traiter de plus en plus de questions transnationales, ils sont amenés constamment finalement à coopérer, ils sont amenés à se rencontrer, à traiter les mêmes affaires, et qu'il fallait par conséquent qu'eux-mêmes développent une culture de l'échange, de l'accommodation entre des systèmes qui restaient très différents malgré un élément sur les principes de culture commune. Alors bien sûr, ces principes de culture commune permettent facilement, plus facilement de s'accommoder, mais malgré tout l'accommodation a été nécessaire parce qu'on s'aperçoit que pratiquement dans toutes les affaires que les juges ont à traiter collectivement, eh bien, il y a des différences de pratiques, de règles qui font qu'en fait ça ne fonctionne pas autrement. Et donc ils ont une habitude d'accommodation, aidée d'ailleurs, qu'on avait découvert à l'époque, par l'institution des magistrats de liaison qui sont souvent institués dans différents pays de la France, elle a une liaison en Pologne, en Angleterre, en Italie, l'Italie en a en France, ailleurs, etc. Et ces magistrats de liaison sont de nature à faire le lien, lient effectivement les différentes, mettent en contact les différents systèmes, les différents juges, les différentes juridictions. Et on avait comme ça pris beaucoup d'exemples d'accommodation, par exemple un juge français qui interroge un témoin et qui n'a pas besoin de, en droit français, à l'époque, d'accueillir l'avocat du témoin, doit faire un procès verbal d'audition de ce témoin. Ce procès verbal n'a aucune valeur en Pologne si un avocat n'est pas venu à l'appui du témoin. Et donc, par conséquent, le juge français m'a fait venir un avocat dans son cabinet, alors qu'il n'aurait pas eu à le faire normalement. Et du même coup, d'ailleurs, le faisant une fois, deux fois, ce principe ensuite va, en quelque sorte, s'intégrer au droit français par la suite. Donc on a effectivement, ça c'est ce qu'on appelle en termes de global law, alors a priori vous me direz, mais c'est pas du global law, c'est du droit transnational, c'est du droit de la coopération judiciaire, pourquoi parler de global law? Si, mais parce qu'en réalité, les global lawyers voient ça comme un élément de pluralisme, de new legal pluralism, c'est-à-dire l'idée effectivement qu'on a des systèmes judiciaires, des systèmes juridiques qui cohabitent et qui doivent effectivement coopérer entre eux. Et ce sont des ordres juridiques, c'est pas classique, hein, mais ces ordres juridiques doivent coopérer entre eux. Et leur coopération offre des difficultés considérables qu'il faut regarder d'une façon qui n'est pas simplement, je dirais, à travers des règles de conflit de loi des juridictions, mais qu'il faut regarder aussi de façon presque sociologique dans la façon de cohabiter de ce système juridique. Et le global law met l'accent sur l'importance de ces types d'accommodation, d'échange. Dans les rapports entre systèmes juridiques. Et il y a d'ailleurs plusieurs théories au sein du New Legal Pluralism qui est développée par le Global Law. Donc c'était un exemple d'illustration. Je cite ici d'ailleurs à cette occasion, cette étude, j'ai repris le rapport qu'on avait fait, et je vais vous le dire ici, c'est tout à fait intéressant, un avis du Conseil consultatif des juges européens. Vous voyez, une institution aussi de Global Law, en quelque sorte, hein, du 10 novembre 2006, sur le rôle des juges nationaux dans l'application effective du droit international. Cette note, cet avis du Conseil consultatif des juges européens, note que les systèmes, je cite, « les systèmes juridiques nationaux doivent de plus en plus souvent traiter de questions juridiques de nature internationale. » Ce qui s'explique à la fois par la mondialisation et par la tendance croissante du droit international européen à s'intéresser davantage aux relations entre les personnes qu'aux relations entre les États. Voilà un thème majeur du droit du Global Law, c'est que le droit international n'est pas simplement un droit d'une société des États, c'est un droit d'une société des personnes. Et dans leur relation avec les États, c'est-à-dire dans leur relation entre elles. Et c'est dit en toutes lettres par ce Conseil des juges européens, ce qui s'explique par la tendance croissante du droit international à s'intéresser davantage aux relations entre les personnes qu'aux relations entre les États. Compte tenu de cette évolution, il est nécessaire de modifier la formation, la pratique et même la culture judiciaire pour les juges nationaux, pour que les juges nationaux puissent rendre la justice en répondant aux besoins et aux aspirations du monde moderne et en respectant les principes juridiques déjà reconnus par les États démocratiques. Alors on voit effectivement, tout ça, effectivement, est tout à fait simple, mais en même temps, les global lawyers sont intéressés par ce genre de propos et y voient effectivement déjà l'avènement, les linéaments d'un droit qui serait global, dans lequel effectivement les juges saisiraient des questions de droit international dans leur juridiction nationale, d'une façon, dans les rapports aussi entre particuliers. Bien évidemment, les global lawyers s'intéressent beaucoup, dans le cadre du global law, aux professions du droit, aux juges bien sûr, même de voir à l'instant, mais aussi aux avocats, aux notaires, en particulier pour les pays de droit civil. Et les professions juridiques sont une des
l'institution majeure du droit, et elle joue, aux yeux par conséquent des global lawyers, un rôle important dans l'empire du droit global, hein, si j'ose dire. Même si ces juristes n'ont pas nécessairement la même vision de leur travail que ceux que veulent leur assigner effectivement les global lawyers. Mais en tout cas, ce sont ces professions que l'on trouve une partie des acteurs majeurs du droit global. Alors, les exemples ici sont innombrables, j'en prendrai qu'un seul. Par exemple, vous savez maintenant que les États ont recours de plus en plus souvent pour financer leurs emprunts à la finance internationale, parce qu'en réalité, dans un premier temps, c'est avantageux pour eux, parce qu'ils ont accès effectivement à des taux d'emprunt plus faibles en mettant en concurrence les différents acteurs de la finance, mais s'ils se contentaient effectivement de placer leurs emprunts auprès de leurs nationaux et auprès des particuliers, auprès des banques. Mais en réalité, ça a des conséquences après peut-être très graves, parce qu'ils sont effectivement soumis aussi au marché international. Et en fait, pour accéder à ce marché international, il faut que les États acceptent d'inscrire dans leur contrat d'emprunt des clauses de protection des investisseurs qui ne seraient pas forcément des clauses qui auraient été habituellement insérées dans ces contrats. Et ces clauses sont rédigées par des cabinets d'avocats. En fait, tout le droit des emprunts d'État internationaux est gouverné par des clauses qui ont été inventées et du coup imposées aussi par des cabinets. Alors il y a deux, trois cabinets d'avocats américains, je n'ai plus leur nom en tête, effectivement, qui ont inventé ces clauses et qui sont maintenant religieusement reprises systématiquement dans les contrats d'emprunt internationaux. Voilà encore un exemple du droit global. Il y a eu d'ailleurs une thèse à Bruxelles de Caroline Leken sur ce thème-là l'année dernière, qui met bien en évidence ce phénomène et d'autres encore de global law. Ces avocats d'ailleurs, en particulier les avocats en général ou les notaires, jouent un rôle d'autant plus important dans le global law que le droit de la globalisation, au fond, a profondément changé les cabinets d'avocats et les cabinets d'affaires. Alors en particulier, je prends deux exemples. En droit de l'Union européenne, on a le droit du marché public. Chaque fois qu'une collectivité locale ou l'État veut externaliser ses services juridiques et demander, c'est très fréquemment le cas, demander à des notaires, des avocats, une consultation juridique, ils doivent faire un marché public, ils doivent faire un appel à projet. Et par conséquent, mettre en concurrence tous les avocats d'Europe. Hein. Bien évidemment, la conclusion, c'est que l'avocat local, le petit notaire de la collectivité locale, il n'a plus accès à ce marché, il n'est pas assez compétent. Il ne peut pas effectivement avoir la capacité de pouvoir répondre avec des prix faibles à des demandes considérables, d'autant plus que les contrats doivent passer sur 4, 5, 6 ans. Donc on doit demander des compétences considérables. Donc par conséquent, il y a maintenant des cabinets de notaires en France ou d'avocats qui sont spécialisés en droit public et qui travaillent et qui ramassent tous ces marchés. Donc il y a une concentration, le droit de la globalisation aboutit à une concentration des compétences au sein des cabinets d'avocats, de même effectivement que le droit de la concurrence fait tomber aussi, au nom de la déontologie, toutes les réglementations monopolistiques au profit des cabinets d'avocats. Et donc il y a aussi un changement considérable effectivement de ces professions qui finalement leur donne aussi les aides à trouver ce place, cette place dans le ce rôle par ailleurs en tant qu'acteur du droit global eux-mêmes. Mais il faut aussi savoir, Yann Mackay m'a fait passer un livre tout à fait intéressant du professeur Hatfield de Harvard qui vient sortir un ouvrage qui s'appelle The Rule for a Flat World, qui précisément dit attention, mais il faudra effectivement beaucoup d'intelligence juridique et organisationnelle dans un monde d'échanges. Mais au fond, attention les juristes, vous n'êtes pas les seuls en réalité à pouvoir, il y aura des informaticiens, il y aura des ingénieurs qui seront capables d'organiser tout ça très bien sans vous. Et dans l'espace global, votre monopole n'existe plus. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, je peux en parler dans un instant, il y a des systèmes considérables en droit global qui sont des normes privées agroalimentaires qui gouvernent complètement, je dirais, la structure du marché agricole dans les pays du tiers-monde, de la production à le transport, l'accréditation des fermes, etc. Enfin bon, j'en parlerai dans un instant. Ces systèmes de normes, ils sont produits par des ONG ou par les normes ISO. Et par conséquent, en réalité, les avocats ne sont plus hauts que vous créez les systèmes de certification, les systèmes de les contrats que passent effectivement les grands distributeurs Carrefour, Tesco, avec les producteurs de fruits et légumes et de fleurs dans les pays du Sud. Les avocats sont absolument, complètement mis de côté. En réalité, le droit global, effectivement, dans le droit global, la profession juridique, en quelque sorte, elle éclate complètement, elle est elle-même mise complètement dans un système que nous n'avons pas l'habitude de connaître.
Je viens de parler des normes agroalimentaires, c'est un travail de recherche personnelle qui n'est pas encore refermé. Je voudrais dire que Fonfon sait depuis cause que Ronald Coase que la création d'organisation sur un pourquoi il y a création d'organisation sur un marché. Et que le marché, c'est pas simplement un ensemble de contrats, parce qu'il y a des coûts de transaction. Hein. Mais en réalité, l'organisation, c'est pas simplement l'organisation de la firme, c'est aussi l'organisation par le biais de normes. Les normes organisent des relations. Les firmes organisent des relations avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, avec leurs concurrents, dans le respect, bien sûr, du droit de la concurrence, et tout n'est pas interdit, et elles créent ainsi de la valeur, et elles structurent une chaîne de valeur. Les grands distributeurs de produits agroalimentaires en Europe, et aux États-Unis, que ce soit Carrefour, Tesla, etc., ou même les startups, etc., achètent leurs produits qu'ils revendent à leurs clients, en général dans des pays d'Europe du Sud, des haricots verts, des fleurs, beaucoup de choses. Bon, et bien évidemment, ils doivent s'assurer que c'est produit correctement, sans pesticides, que les produits eux-mêmes qui sont produits n'ont pas effectivement à répondre à des qualités qui sont exigées d'ailleurs par ailleurs par leur État. Ils sont aussi amenés effectivement à prévoir comment stocker tout cela, comment les transporter. Et les États leur ont délégué, je pense, de l'Union européenne. L'Union européenne, est-ce là bien, il y a un règlement 158/2002 qui dit, bon, on laisse finalement aux grands distributeurs le soin d'organiser tout ça par leurs règles. Nous, on précise quelques, bien sûr, quelques principes. Est-ce que c'est un aliment bio, par exemple, une définition? Bon, mais c'est une définition minimale. Pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Et vous organisez effectivement tout le système. Au résultat, et je vais assez vite ici. Alors, au résultat, on a, bien sûr, chaque producteur, chaque distributeur n'a pas pu élaborer ses propres systèmes. Donc, il y a eu finalement la mise en place de systèmes. Ils ont remis eux-mêmes la création de ces normes, des organismes de coopération entre eux. Il y en a un particulier qui est considérable, qui s'appelle Global GAP, qui était auparavant Global Heure, qui est maintenant devenu mondial. Donc c'est Global GAP qui, effectivement, auquel tout le monde adhère plus ou moins, qui a défini des règles mondiales pour l'organisation des marchés agricoles, et notamment entre le pays du Sud et le Nord. Et qu'est-ce qu'on a? L'Union européenne donc, a délégué la sécurité alimentaire à ses distributeurs. En réalité, l'Union européenne a dit que ce ne sont plus les États qui sont responsables de la sécurité alimentaire, ce sont les distributeurs et les importateurs. C'est l'équivalent, à mes yeux, de la révolution qui a été, avec Necker, sous l'ancien régime en France, la suppression du monopole des grains de l'État. C'est-à-dire le fait que l'État désintéresse de la sécurité de ses citoyens et ne gère plus, effectivement, ne régule plus le marché des grains et du blé, et laisse la concurrence fonctionner. C'est à peu près pareil. C'est une révolution. La sécurité alimentaire n'est plus entre les mains des États. Elle est entre les mains des distributeurs. Ils sont responsables. Les États responsables, ils font en sorte, avec les normes qu'ils ont mises en place, de se couvrir et de ne pas vendre des produits qui seraient dangereux pour leurs consommateurs. Donc, l'UE vérifie simplement que les normes techniques relatives à la qualité des produits respectent les règles de l'Union quand elles existent. Au sens si un distributeur appelle un produit bio, il faut encore que ça corresponde au règlement communautaire sur les produits bio. Enfin, si les normes plus élevées, ça c'est possible. Et par ailleurs, point intéressant, il ne faut pas que le thème de la sécurité alimentaire soit un thème de compétition. Il ne faut pas dire « moi je suis plus en sécurité que mon voisin » parce que la compétition sur la sécurité, c'est très dangereux pour tout le monde. Donc par conséquent, on peut avoir des normes plus élevées que celles qui sont prévues par les États, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire parce que ça veut dire que moi je suis plus. Ça veut dire que les autres ne sont pas assez en sécurité. Quand vous rentrez dans une logique, la sécurité, par définition, elle doit être assurée. Elle ne peut pas être mieux, plus sécurité que d'autres. Donc par conséquent, c'est une obligation du règlement communautaire. Les frontières se déplacent. C'est-à-dire le contrôle de l'importation, le contrôle sur la vérification de la qualité des produits importés en Europe ne se fait pas en Europe, à l'entrée en Europe, elle se fait à la sortie des pays du tiers-monde, ou des pays en développement. Il y a un déplacement de la frontière. La frontière se fait dans les pays d'exportation, non pas à l'entrée dans le pays d'importation. Ces systèmes, effectivement, passent par ailleurs sous le radar de l'OMC. C'est-à-dire, ce sont des systèmes privés. L'OMC a été créé en 1994 avant que ces systèmes n'apparaissent. D'ailleurs, ils sont apparus parce que l'OMC ayant dérégulé les marchés, bien évidemment, ces marchés ont été créés grâce à l'OMC, et donc l'OMC ne pouvait pas les prévoir encore. Donc l'OMC ne dit rien sur les normes privées à l'agroalimentaire. Elle ne concerne que les réglementations des États. Et ces normes, ces systèmes normatifs,
peuvent prévoir, et prévoient d'ailleurs, des conditions d'organisation qui sont contraires au droit de l'OMC, en particulier ce qu'on appelle les procédés et méthodes de production. Et ils prévoient non seulement que les produits doivent répondre à des propositions de qualité, mais ils prévoient que les fermes elles-mêmes doivent mettre en place des conditions d'hygiène, des conditions de travail auprès de leurs travailleurs qui sont conformes effectivement à quelques règles de droit social, en quelque sorte. Donc c'est la responsabilité sociale des entreprises qui va effectivement vers les fournisseurs, ici les sous-traitants. Donc on a effectivement, on leur impose, et c'est à partir de leur accréditation, de respecter un certain nombre de règles qui sont des règles relatives aux conditions de production et pas à la composition des produits. L'OMC interdit absolument que les conditions de production soient prises en considération pour réglementer des échanges de marchandises dans le monde. Alors, comme c'est des règles privées qui le prévoient, c'est possible. Et donc, par conséquent, l'OMC n'est pas très content, il y a des difficultés, mais en réalité, comme il n'est pas compétent, les choses se passent comme cela. On avait aussi au départ différents systèmes de normes. Comme je vous l'ai dit, finalement, à la fin, il y en a un gros qui s'est mis en place, mais ce n'est pas le seul, il y en a encore d'autres. Mais ces systèmes de normes, ils se reconnaissent mutuellement. C'est-à-dire que si un opérateur n'adhère pas à Global Gap, n'est pas certifié Global Gap, mais certifié par un autre système, il y en a quelques-uns, eh bien, en réalité, les distributeurs reconnaissent mutuellement les différents systèmes. Donc, en fait, il y a reconnaissance mutuelle entre normes privées. C'est extraordinaire. Donc, et enfin, je dis enfin parce qu'en même temps, on pourrait continuer beaucoup, en même temps aussi, ces producteurs de normes privées, Global Gap en particulier, eh bien, bien sûr, sont parfois un peu critiqués parce qu'en réalité, ils ont des pouvoirs considérables. Ils organisent la production agricole dans le monde. Hein, bon. Et sans légitimité démocratique, enfin bon, sans qu'ils soient élus, sans, bon. Donc ils sont critiqués aussi sur le plan par les petits producteurs des pays en développement, qui n'ont pas souvent accès aux marchés mondiaux à cause du fait qu'ils ne répondent pas aux critères et aux normes, qui coûtent d'ailleurs cher aussi pour les rejoindre pour eux. Et donc ils sont critiqués aussi par quelques pays en développement, qui estiment effectivement qu'ils... Les normes sont trop élevées, par conséquent, elles vont au-delà de ce qui est nécessaire sur le plan scientifique, sur le plan, etc. Donc, ils cherchaient à se légitimer. Et pour se légitimer, ils ont intégré dans leur mode de création de ces normes le principe de participation, le principe de transparence, la rule of law, dans le due process, dans l'application des normes, au cas où elles n'ont pas été respectées. On trouve ici ce qu'on appelle le Global Administrative Law, effectivement, rejoint c'est tout à fait ces questions-là, on en parlera dans un instant. L'idée, effectivement, qu'au fond, il y a des normes de participation, de transparence, de rule of law, qui sont finalement intégrées et qui prétendent légitimer un pouvoir qui lui-même n'a pas au départ de légitimité telle qu'on la conçoit dans notre monde. Voilà, en quelque sorte. Bon, j'avais encore un autre exemple, mais peut-être c'est un exemple concernant l'organisation interne du travail, la façon dont l'OIT a complètement modifié sa stratégie à partir de la création de l'OMC pour la protection des droits des travailleurs. L'idée générale, j'en dis d'un seul mot, l'OIT finalement avait pendant très longtemps construit un code international du travail représentant, je ne sais plus, 150-200 conventions internationales formant un code complet du travail. Ça n'a jamais marché. En réalité, la plupart des conventions n'ont pas été ratifiées. Enfin, elles ont été signées par les États, ou alors si elles avaient été ratifiées, de toute façon, elles n'étaient pas réellement transposées dans le droit national. Et si elles l'étaient, en fait, elles n'étaient pas pour autant efficaces. Donc, toute cette efficacité a éclaté complètement au grand jour avec les échanges libéralisés, puisqu'il a fallu se rendre compte, effectivement, que d'un côté, on avait libéré les échanges, et que de l'autre côté, on n'avait pas une protection des droits sociaux dans la mondialisation, et que cette absence de protection des droits sociaux posait problème, je dirais, du côté, effectivement, on pouvait craindre, effectivement, que la globalisation aggrave, effectivement, aggrave la situation des travailleurs, et que, par ailleurs, des pays ne protégeant pas leurs travailleurs puissent, dans la compétition internationale, acquérir des avantages compétitifs à l'égard de pays qui protégeraient mieux leurs travailleurs. Donc c'est une question majeure qui s'est posée. Et finalement, l'OIT a changé complètement de stratégie. Elle a considéré effectivement que, d'abord, elle a trouvé dans sa charte, dans sa constitution, et c'est comme ça qu'on appelle le traité qui fonde l'OIT en 1978, elle a trouvé dans cette charte les bases de droits fondamentaux sociaux au travail particulier, la liberté d'association des travailleurs, la liberté de négociation des syndicats de travailleurs avec le chef d'entreprise, avec les patrons, le principe de non-discrimination selon le sexe, selon la race, selon l'ethnie, etc.
et le principe donc, d'égalité homme-femme et le principe de liberté du travail, pas de travail forcé, etc. Donc des principes de liberté qui encadrent le marché du travail. Mais elle a abandonné complètement la protection des droits matériels du travail, les droits sociaux là, au travail, comme le salaire minimum, comme, en considérant que finalement, les principes libéraux, s'ils étaient respectés, conduiraient à terme à conduire à respecter les autres principes, les autres droits sociaux. Et donc elle s'est concentrée uniquement sur ces principes-là, en considérant que c'était ça qu'il fallait mettre en évidence et qu'au fond, il n'y avait pas d'incompatibilité entre le commerce et ces principes libéraux du droit du travail, puisqu'au fond, finalement, les deux, je passe ici l'analyse qui repose d'ailleurs sur les travaux de l'OCDE à l'époque, qui montre effectivement qu'au fond, ce n'est pas les pays les plus fermés au commerce qui protègent mieux leurs travailleurs. Ce n'est pas parce qu'on est fermé au commerce qu'on n'est pas tenté de mal protéger les travailleurs. Au contraire, on observe que ce sont les pays les plus fermés au commerce qui protègent le moins bien l'égalité homme-femme, qui protègent le moins bien la liberté syndicale, etc. Donc en réalité, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, les pays qui avaient ouvert les libertés syndicales, les libertés d'association aux travailleurs, ou qui respectaient l'égalité homme-femme, n'avaient pas de désavantage dans la compétition en réalité. Donc au fond, l'idée c'était de montrer qu'il fallait au contraire développer ces droits, que ces droits eux-mêmes, pas en contradiction avec le droit du commerce international, seraient de nature effectivement à permettre le développement de la protection des travailleurs immédiatement et à terme, et que par conséquent il fallait, sur la base de la constitution même de l'OIT, sans faire référence aux conventions internationales, demander aux États partis à la convention de respecter ces droits, même s'ils n'avaient pas ratifié les conventions. D'ailleurs, il fallait qu'ils les ratifient parce qu'ils étaient tenus de le faire en vertu du traité qu'ils avaient signé, et mettre en place des mécanismes de suivi sur la base d'une déclaration de ces droits fondamentaux au travail qui a été d'une très grande efficacité, qui ont d'ailleurs été repris par les entreprises multinationales qui eux-mêmes ont repris la déclaration de l'OIT sur les droits des travailleurs pour les imposer à leurs sous-traitants, etc. Donc on a un mécanisme qui s'est emballé et qui a été finalement un mécanisme au fond de droit global, puisque on abandonne effectivement, on trouve dans la Constitution des principes généraux, hein, c'est exactement universel, des principes libéraux, et qui, par ailleurs, sur le plan axiologique, ne se révèlent pas en contradiction avec ces principes du commerce. Hein. Pas de plus beau pour le droit global que de dire, voilà, des principes sont présentés comme opposés, le commerce, le libre commerce, le commerce paisible, et la liberté, et les libertés, les grandes libertés des droits de l'homme, ben, finalement, ils ne sont pas en contradiction. Ah, c'est effectivement une approche de droit de l'homme. Voilà donc ce premier point que je voulais évoquer pour donner quelques exemples, hein, bon, de telle sorte que le but c'était en fin de compte de vous donner au fond quelques indications sur des différents thèmes au fond dont on pourrait très bien traiter sans employer le mot jamais de droit global, mais que les global lawyers finalement se saisissent les global lawyers pour dire voilà, regardez, il y a des éléments dans le monde, dans les faits, qui vont dans le sens de nos théories. Alors maintenant, dans les théories, quelles sont-elles? Deuxième point, donc la diversité des écoles, des écoles et des théories du global law. Alors là, je présente les choses de façon un peu générale, avant d'en revenir dans le dernier point sur une distinction que je propose moi-même. Là, je me contente effectivement d'ailleurs reprenant assez largement d'ailleurs ce que dit Neil Walker dans son ouvrage précité « Intimation of Global Law », qui présente bien effectivement les différentes écoles. Il y a effectivement beaucoup d'écoles finalement en réalité, et Neil Walker tente d'ailleurs, à mon avis, il ne réussit pas complètement, mais tente de montrer qu'en réalité, elles se renforcent les unes les autres, qu'elles ont une espèce de. Qu'elles renvoient à une image, à une vision du droit qui est à peu près la même, même si elles sont différentes. Bon, je n'irai pas jusque-là, je me contenterai ici de présenter ces écoles dans leur diversité simplement et non pas dans leur complémentarité. Pour la volontarité, je vous renvoie à l'ouvrage de Neil Walker. Alors, il nous dit d'abord, effectivement, le droit global, c'est effectivement, c'est d'abord un thème sur le nécessaire dépassement du concept du droit international ou de renouvellement du droit international. Enfin, l'idée générale, on l'a compris, c'est que le droit international dans le global law ne peut plus être le droit de la société des États souverains. Avec effectivement l'idée que tout repose sur la volonté des États et que c'est cette volonté finalement, espèce de positivisme juridique international en quelque sorte, qui serait effectivement l'alpha et l'oméga du droit international, c'est en réalité, soit qu'on conserve ce terme de droit international, soit qu'on le remplace par le terme de droit mondial,
ou de New Global Law, comme Domingo par exemple. Et l'idée, c'est qu'au fond, le droit international, on l'appelle toujours comme ça, mais ça peut s'appeler le droit global, justement, bien, ce droit est plutôt fondé effectivement sur la société des personnes. En fait, le droit s'adresse aux individus, en particulier, bien évidemment, on se saisit notamment de ce vecteur qui sont les droits de l'homme, les droits de l'homme qui par définition s'adressent aux personnes, et on montre bien effectivement que le droit international fondé sur les droits de l'homme doit être interprété dans autant que possible effectivement pour desserrer effectivement les contraintes qui naissent du positivisme juridique international qui voudrait que tout le droit soit interprété à la lumière effectivement de la volonté des États et que les immunités des États soient toujours respectées, même quand les États violent complètement les droits de l'homme, etc. Donc, quand des principes du droit national classique violent les principes du droit de l'homme, il faudrait qu'ils s'affaissent, qu'ils disparaissent, qu'ils s'affaiblissent par rapport aux droits de l'homme. Et évidemment, on verra que ce n'est pas forcément ce qui se passe en réalité dans le droit positif et dans l'interprétation que donne le droit international, notamment la Cour internationale de justice qui est très, je dirais, conservatrice sur ce terrain-là. Mais enfin, en tout cas, bon, ces échecs-là ne sont pas pour autant, pour les global lawyers, des raisons de renoncer. C'est un droit à venir. Il y a des éléments, on essaie de montrer qu'ils vont progresser. Donc, c'est un peu l'idée effectivement, du dépassement du concept de droit international à travers, effectivement, des idées de recours à des théories, même au sein du droit international public, en faisant référence à la Charte des Nations Unies, c'est un article de la Charte, en faisant référence aux conventions sur les droits de l'homme, à des conventions de droit humanitaire, de montrer effectivement qu'il y a moyen de se servir de cette partie du droit positif pour élargir les bases de ces parties-là du droit international pour réinterpréter le rôle de la Charte des Nations Unies, en particulier sur la question de l'obligation de protéger, en particulier, et par conséquent même sur la possibilité d'utiliser la force dans des cas extrêmes, malgré effectivement le fait que les États chez qui on va intervenir, en théorie, mais moi je suis pas d'accord, pour qu'on intervienne chez eux, mais des conditions de protection des droits fondamentaux et du droit humanitaire pourraient justifier cette analyse différente du droit international. Alors, on a ici tout un courant, qui est le courant. Alors, bien sûr, ce que je dis là, c'est un résumé, je dirais, même pas substantiel, de tout ce qui peut effectivement être ici. Et dans ce domaine-là en particulier, qu'on a, avec notamment Domingo et d'autres, on a effectivement le plus tendance à faire du droit, revenir au jugentium, au droit des gens, et au juste naturalisme moderne, en quelque sorte. Au fond, c'est là qu'on a le sentiment que le droit global est, au fond, la réinvention, hein, de ce courant, effectivement, avant Bentham. Ce droit international, au XVIIe siècle, c'était le droit global de nos jours. Et il a fallu ensuite qu'on passe avec Bentham au droit international positiviste, c'est le droit, effectivement, puis avec la pratique aussi, avec les Espagnols, etc. Enfin, on a effectivement eu un droit international qui est devenu un droit uniquement des États, mais ça n'a pas été toujours comme ça. Hein. Donc, et ça, je me dis, mais on va revenir, effectivement, à une autre conception du droit international. C'est aussi toute une série d'approches qui tournent autour. Alors là, on parle notamment de la constitutionnalisation du droit international, et on a des approches alors qui sont, elles, des approches, au fond, d'internationalisation du droit constitutionnel. C'est les approches du global constitutional law. C'est l'idée, effectivement, que les constitutions, en quelque sorte, des États, dans l'État démocratique, participent, effectivement, pas simplement, au fond, de l'expression de la volonté d'un peuple existant, mais en réalité sont la manifestation de principes communs, globaux, que d'ailleurs on observe bien que les juges des cours constitutionnels communiquent entre eux, échangent entre eux. On a le fameux dialogue des juges, notamment constitutionnels, qui serait la marque d'une illustration, d'une globalisation, en quelque sorte, du droit constitutionnel, d'une internationalisation du droit constitutionnel, qui ferait effectivement que les constitutions seraient un peu hors sol. Elles seraient plutôt fondées sur la souveraineté, elles seraient fondées aussi sur, potentiellement, sur des principes communs, dont elles seraient, en quelque sorte, le vecteur. Alors, bien sûr, là aussi, ce terme-là, on l'a connu avec l'Union européenne, quand on nous a parlé de la constitutionnalisation de l'Union européenne, c'est-à-dire même le terme, il y a une époque qui travaillait là-dessus, bon, on avait effectivement le monde pensé, effectivement, que c'est un terme qui allait emporter tout le monde dans le bonheur. En réalité, on s'est aperçu avec le vote français de 2005 contre la Constitution, le vote défavorable à la Constitution de l'Union européenne, au traité constitutionnel de l'Union européenne, que tout ça, effectivement, a très vite fondu, en quelque sorte. On s'en réjouit là, certains d'autres déploreront, mais en tout cas, on voit bien
que, là encore, le droit global n'est pas nécessairement quelque chose qui est suffisamment fort pour, en tout cas, convaincre les peuples, toujours. Mais là encore, on ne se décourage pas, c'est un échec, mais enfin, en même temps, on dira... Il y a quand même quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'effectivement, normalement, quand on parle de constitution, c'est qu'on présuppose qu'il y a quand même un peuple. Et là, finalement, donc il y a un passé, il y a une histoire, et que par conséquent, les constitutions sont diverses par définition. Elles reflètent les cultures, elles reflètent des volontés, qui par définition peuvent être diverses. Et là, on nous dit, mais les constitutions, finalement, créent une table rase à partir de rien, et elles créent un peuple. Et un peuple qui est un peuple mondial, global. C'est quand même pas simple à faire en termes de théorie politique, à faire admettre, hein. Il y a là quelque chose, on le voit bien, des antinomies au sein même de la constitution qui sont difficilement, je dirais, solubles dans la théorie du droit global. Enfin, tout ça, effectivement, attend des mouvements, je dirais, sociaux réels. Hein. Il ne s'agit pas, effectivement, que les juristes seuls puissent, même s'ils peuvent montrer la voie parfois, mais puissent seuls, effectivement, à partir de ces outils, promouvoir. Avec victoire le droit global. Il y a un thème, une approche beaucoup plus modeste et qui peut-être, là, en réalité, d'ailleurs, correspond mieux au fait, c'est le global administrative law, le droit administratif global, qui vise simplement l'ensemble des organismes très nombreux, qui sont d'ailleurs de statut public ou semi-public ou soutenus par le public, peut-être même des sont privés, qui rassemblent à la fois. Qui rassemble les organismes normalisateurs de l'OMC, comme le Codex Alimentarius, l'ISO, l'OMS, le comité de Bâle pour la régulation des bancaires, l'IFRSS, l'IFRS, l'International, je ne dirais pas en anglais, c'est l'organisme international qui vis-à-vis des règles comptables internationales, pas les règles financières internationales comptables, et qui par conséquent établit une norme comptable internationale et qui sont à la disposition de ceux qui veulent les appliquer, sauf qu'effectivement, on verra, pour l'Union européenne s'est ralliée très largement à ces règles comptables et les a transposées dans ces directives. Donc, on a aussi les Global Gap, hein, fait partie de ça, enfin, on a effectivement un ensemble d'organismes considérables qui, au fond, assurent une gouvernance. Une gouvernance, il y a aussi l'ICN, ce qui est l'International Competition Network, c'est-à-dire que l'ensemble des autorités de concurrence de tous les pays du monde qui, effectivement, réfléchit effectivement, à la politique de concurrence, effectivement, les règles de concurrence qui serait bon, effectivement, d'appliquer ou d'interprétation à donner aux règles de concurrence. Et donc, et tous ces organismes-là, effectivement, se caractérisent par ce mouvement plus modeste, mais qui consiste effectivement à les voir. Ils sont dans l'espace global. En fait, ils n'ont pas reçu de délégation législative. Ils ne font que donner que des conseils, ils établissent des standards, ils produisent des normes techniques, souvent managériales. Bon, l'OCDE fait partie de ce système-là. En réalité, ils veulent se donner une légitimité, en quelque sorte démocratique, dans cet espace global, en travaillant eux-mêmes, en appliquant le principe de participation, de transparence, en essayant effectivement alors ils publient en permanence, il y a comme l'Union européenne, d'ailleurs à peine on a un projet de l'idée qu'on publie sur un site internet, on demande à tout le monde de réagir, aux savants, aux chercheurs, aux entreprises, aux syndicats, etc. On travaille par conséquent avec tous les stakeholders, etc. Bon, et il y a une espèce de tous ceux qui sont intéressés sont en partie, on la voit, on parlait. Donc on est effectivement dans un schéma très très particulier. Qu'on appelle le Global Administrative Law et qui est tout à fait représenté notamment à New York University par l'école autour de Kingsbury qui a écrit le premier papier là-dessus. En Europe aussi, on a, je dis absolument, il y a un Italien très connu qui développe, et il y a là aussi des rencontres, notamment à Centre Paris par exemple, autour de collègues du droit administratif qui travaillent effectivement sur le Global Administrative Law. Oui, KCZ, voilà, KCZ en italien. Et il y a donc par conséquent ici, encore une fois, il y a à la fois ce fait, cette donnée, et il y a aussi, en réalité, les global lawyers hein, qui effectivement en parlent, en discutent,
crée cette réalité encore plus qu'elle n'existe, en quelque sorte. Hein, et en réalité, il faudra venir aussi des choses, parce qu'en réalité, participent aussi parfois à ces rencontres des personnalités de ces groupes, de ces institutions de gouvernance internationale. Bon, il y a le New Legal Pluralism, dont j'ai parlé, effectivement, qui vise effectivement, lui, à réfléchir sur, non pas sur le pluralisme juridique du passé, c'est-à-dire le pluralisme que vous connaissez bien au Québec, le pluralisme entre l'État moderne et puis les communautés autochtones, ou le pluralisme juridique qui concerne effectivement les relations de l'État avec les normes purement privées. Là, c'est effectivement le pluralisme entre systèmes juridiques, en quelque sorte, dans l'espace global, sachant effectivement que dans la globalisation, les systèmes juridiques ont toujours communiqué entre eux, le droit international privé, là en particulier, pour marquer les critères effectivement de conflits, de droits de juridiction, etc., d'exécution des décisions. Mais tout cela effectivement était traité d'ailleurs par chacun des États, puisque ces règles de DIP sont des règles nationales, hein, ce ne sont pas des règles internationales. Mais malgré tout, c'est d'ailleurs pas savant sur ce droit-là. Et en réalité, les choses changent beaucoup, puisque avec le développement des échanges, avec la globalisation, les rencontres entre les systèmes juridiques sont de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses, et bien évidemment, on voit des pas passer à une vitesse supérieure. Alors, d'ailleurs, en harmonisant les règles de conflit de loi, mais pas seulement, en réalité aussi, en mettant en place effectivement des systèmes d'accommodation entre systèmes, et en particulier, rentre peut-être là-dedans, notamment, tous ces mécanismes de compétences universelles de la part des juridictions nationales, ou sans être des compétences universelles, la revendication de beaucoup de plaideurs qui ne peuvent pas dans leur pays assurer leurs droits, et qui, parce que ces droits sont des droits importants, vont chercher effectivement dans des cours d'autres pays où ces droits sont assurés, les moyens effectivement de saisir les biens ou de demander la réparation à l'égard de leurs tourmenteurs, ou de mettre en cause des entreprises qui auraient violé aussi les règles humanitaires, comme Total par exemple, des années qui sont effectivement qui sont déférés devant des cours nationales en dehors du territoire sur lequel effectivement ces fautes étaient commises. Donc on a effectivement ici un champ important en voie de développement observable, même s'il y a là aussi beaucoup de ratés, parce qu'il y a beaucoup de cours nationales qui n'acceptent pas bien évidemment de répondre à ces demandes, mais certaines l'acceptent selon le cas. Donc c'est un contentieux très intéressant et très important. Et puis enfin, il y a, et j'en parlerai plus dans un instant, donc je ne vous en dis que d'un mot, il y a effectivement la théorie de l'émergence des normes. Là, je me plais à citer les travaux de Yann Mackay, parce qu'effectivement, voilà, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, non pas forcément sur le terrain du droit global, mais en tout cas sur tout ce qui pouvait être effectivement l'émergence des normes, à partir d'une analyse économique de l'émergence des normes. Il retrouve ici, bien sûr, tous les travaux de droit global qui montrent, et j'en reparlerai tout à l'heure, qui montrent qu'il y a un besoin de normes dans l'espace global, un besoin énorme de normes. C'est un point que Bartolan a aussi beaucoup montré, un besoin de normes dans l'espace global, que sous l'angle de la lutte pour le droit, la lutte pour les normes, ou sous l'angle du droit. Au fond, l'état de droit naturel qui est l'espace naturel, l'espace global ne peut pas se dispenser en réalité de normes, parce que les normes sont indispensables effectivement à l'organisation. A-t-il parlé de l'intelligence organisationnelle nécessaire dans l'espace global, c'est un petit peu ça. Et on prendra des exemples tout à l'heure de cette émergence. Je crois que c'est le mot qu'il faut retenir, émergence des normes. Ils émergent en quelque sorte. C'est souvent parfois tout à fait intéressant, parce que parfois il y a des gens qui créent des normes, des organismes qui créent des normes, dont ils ne pensent pas qu'elles vont avoir beaucoup de succès. En réalité, ils créent des normes parce qu'ils ont besoin pour eux-mêmes, dans leur petit. Et puis, d'autres acteurs se saisissent de ces normes parce qu'ils en ont tellement besoin qu'il leur faut une norme, donc ils la saisissent elles. Peut-être que c'est la première qui est apparue. Donc, par exemple, le classement de Shanghai, par exemple, c'est tout à fait extraordinaire. Voilà un classement qui a été fait pour simplement organiser, pour permettre à la Chine de s'organiser mieux et de modifier ses managements des universités. Et voilà que le monde entier se saisit de cette norme-là, qui est a priori absurde en plus pour beaucoup d'universités, et qui ne tient pas compte de beaucoup d'éléments pour autant très importants dans le management universitaire, et on s'en saisit. Les universités s'en saisissent pour mettre en place des politiques destinées à monter dans le classement, en respectant les normes de ce classement, même si elles sont a priori absurdes. Les administrations des États qui s'en servent pour évaluer leurs universités, bon, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres comme cela.
ou des acteurs qui ont créé des normes, en pensant pas du tout effectivement qu'ils avaient le gouvernement, se trouvent en quelque sorte avoir créé une norme qui devient une norme très contraignante parce qu'elle est tellement nécessaire qu'on s'en saisit pour structurer son action, parce que sans norme, l'action n'est pas efficace. Et dans l'espace global, il n'y a plus de normes nationales efficaces et il n'y a pas encore de normes de droit international public efficace. Donc il faut bien qu'il y ait des normes. Donc ces normes, on va les créer et on va se servir de celles qui existent pour structurer son action. Et c'est un phénomène considérable dans l'école de Bruxelles, d'ailleurs, c'est beaucoup occupé. Voilà, il me reste un troisième point. Peut-être un petit quart d'heure, peut-être, pour le traiter, qui sont des propositions donc, sur les significations ou la signification du global. Et je voudrais, au fond, faire une distinction ici, qui n'est pas forcément personnelle. Je parfois trouvais effectivement cette ligne de distinction ailleurs, notamment dans l'ouvrage sur la petite histoire des normes de Dr. Karim, ou encore chez Benoît Friedman aussi, qui trouve bien cette distinction. Peut-être qui est un peu gênante, alors elle n'est pas forcément mise en évidence, mais enfin elle est là, elle n'est pas forcément. Je voudrais en quelque sorte la théoriser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, distinguer, au fond, dans le droit global comme interprétation et construction du droit établi selon les sources sociales du droit moderne. Enfin, ici, il n'y a pas de nouvelles sources sociales, il y a les sources sociales qui existent, il y a les droits, les constitutions, les traités, la politique internationale. Les règlements administratifs, il y a du droit, selon des sources. Et le paradigme des juristes, effectivement, c'est que on sait effectivement que le droit prend assise sur ses sources sociales. Et aucun théoricien du droit, même non-positiviste, ne nie, même législaturaliste, ne nie effectivement qu'il y a un droit positif qui dépend de sources sociales. Après, on interprète différemment ces sources sociales, mais en tout cas, tout le monde dit effectivement qu'il y a des règles, pour reprendre le terme de Hart, des règles secondaires, qui sont là pour établir les conditions dans lesquelles on crée du droit et dans lesquelles le droit est valide. En Angleterre, le droit, c'est ce qui est fait par la reine dans son parlement, etc. Bon, et les juges aussi ont un rôle important, bien évidemment, dans les sources sociales du droit, puisque, bien évidemment, ils créent aussi du droit, malgré les grands principes, soi-disant, de séparation des pouvoirs, l'interprétation par les juges du droit, vous le savez bien ici, dans notre université, avec les travaux de Pierre-André Côté, l'interprétation de la loi est largement souvent créatrice du droit, mais le juge est une source sociale du droit. Donc, par conséquent, ça n'en est pas en cause. Je dirais que la source sociale du droit ne s'assimile pas au positivisme classique, qui est effectivement plutôt le droit dans la loi. Non, c'est tout à fait différent, c'est l'idée qu'il y a des sources sociales. Et là, le global law se présente comme une interprétation, une reconstruction, une construction de ces sources sociales à la lumière des principes. C'est ce que Nel Voltaire appelle la double normativité. Je retiens ce terme, c'est-à-dire qu'il y a la normativité, effectivement, des règles plus concrètes, du droit positif, et il y a la normativité qui est la normativité inhérente au droit, la normativité des principes du droit, référence ici, si on veut, à Dworkin, on peut faire référence à Fuller, par exemple, à beaucoup d'auteurs, et notamment à Domingo, à d'autres, à l'idée, effectivement, qu'il y a aussi, on peut interpréter le droit existant à la lumière de principes, pas une interprétation ascendante, et notamment des principes inhérents au droit, des principes universels, de rule de law, de droit de l'homme, donc c'est l'idée générale de ce global law comme interprétation du droit établi, mais qui ne regarde pas forcément vers le passé, qui interprète les décisions du passé à la lumière de la meilleure interprétation possible, je reprends les termes de Dworkin, de la meilleure interprétation possible de ces règles à la lumière des principes de justice. Et c'est le droit intégré chez Dworkin, par exemple. Dans le droit, bien sûr, chez Dworkin, c'est dans le droit américain, mais là, on parle à l'échelle, effectivement, du droit mondial. Et puis, il y a cette seconde approche du global law, où là, on ne s'intéresse plus aux sources sociales existantes du droit, mais à de nouvelles sources, les sources que Karim Benicelet appelle les sources alternatives, normativité alternative. C'est tout à fait différent. Là, on n'est plus dans la double normativité, on est dans de nouvelles normativités qui sont de nouvelles sources sociales. De nouvelles sources sociales, parce qu'effectivement, quand Global Gap produit des normes agroalimentaires qui ont cet effet considérable dans la structuration des marchés mondiaux, c'est une source sociale. Alors, du droit, je ne sais pas, enfin, une source sociale. Et une source sociale de règles, de normes qui sont très efficaces. Donc, par conséquent,
C'est à ça que s'intéresse ici cette seconde branche du droit global. Elle s'intéresse effectivement à cette normativité alternative. Et c'est donc en pensant le deuxième sens, hein, qui se réfère ici effectivement à ce que l'imprimant appelle l'état de nature, en quelque sorte, de l'espace global, dans lequel émergent des normes, parce que ces normes sont absolument nécessaires pour structurer ce qui se passe dans cet espace transnational, dans lequel, en tout cas, les règles nationales ne suffisent plus et où les règles du droit international ne sont pas encore là. Donc il faut forcément créer des normes, et ces normes, effectivement, bien, tout le monde les produit, ça peut être l'OMS, ça peut être... alors ce sont pas forcément des traités, là, parce que l'OMS, ce sont des standards, ce sont l'OMC, par exemple, l'OCDE qui fait des rapports. Les rapports d'OCDE, c'est les normes globales, parce que les rapports d'OCDE, je dirais, ils ont une influence considérable. Hein, quand l'OCDE dit quelque chose et prétend qu'effectivement, pour avoir des bonnes universités qui produisent beaucoup de choses, il faut les évaluations selon tel ou tel critère, on voit qu'à 4 ans après, que ça se passe partout ailleurs dans le monde. Moi, j'étais surpris, en France, en 2009, on a vu apparaître un décret sur le statut du professeur d'université qui disait désormais les professeurs sont plus trop des fonctionnaires, ils sont des fonctionnaires encore en France, mais au fond, ce sont les agents à la disposition du président de l'université. Et le président peut décider de leur service. Ils sont bons, ils auront moins de cours à faire, ils font plus de recherches. Ils ne sont pas bons, ben ils font que des cours ou plus de recherches. Et c'est le président qui va décider. C'est la modulation du service. C'est ça, le président. Esclandre, en France, on a fait grève pendant 3 mois en 2009 à cette occasion-là. Ils ont reculé sur ce point d'ailleurs. Ils ont retiré du décret, la ministre de l'Éducation nationale a retiré du décret la modulation de service. Elle a conservé tout le reste, qui était moins, enfin, d'évaluation, etc., permanente. Il fallait rapports en permanence sur ce qu'on a fait, etc. Mais, sauf qu'il n'y a pas de conséquences hein, pour l'instant. Mais en même temps, on sait bien que si on fait des rapports d'évaluation, un jour, il y aura des conséquences. On ne peut pas évaluer les gens sans tirer les conséquences d'évaluation qu'on aura fait. Donc, en tout cas, tout ça, ça vient. Moi, on s'est tous réveillés comme ça et on s'est rendu compte qu'en fait, tout ça était passé, venait de la théorie des économistes dite d'incitation. Un professeur, par défense, c'est qu'on peut penser qu'il ne travaille pas. S'il n'est pas incité à travailler, donc pour inciter à travailler, il faut qu'il y ait des sanctions. S'il travaille bien, il faut qu'il y ait des récompenses. Et tout ça avait été développé par l'OCDE quelques années auparavant. Et on ne s'était pas rendu compte que tout simplement ce qui nous arrivait était tout simplement le résultat de standards, de normes de l'OCDE. Donc ça, c'est extrêmement important et tout à fait considérable. Donc ça, c'est le second sens, effectivement, du droit global. En particulier, je ne reviens pas sur le premier sens que j'ai déjà beaucoup développé précédemment, en parlant effectivement notamment de la nouvelle conception du droit international par le droit global. Bien évidemment, je ne redis pas que cette conception-là est essentiellement une conception de science du droit, doctrinale, que c'est une conception qui pose des problèmes de théorie du droit, parce que certains effectivement nous disent, mais le positivisme fait que les principes ne sont pas les droits et dans les règles telles qu'elles sont posées par les sciences sociales du droit. On peut bien sûr interpréter un petit peu, mais au fond, on ne peut pas non plus dénaturer par rappel à des principes ce qui a été voulu par la société des États ou par ce qui a été voulu par le législateur. Donc il y a là effectivement une discussion sur comment est-ce qu'on passe les sources sociales du droit aux propositions juridiques. Il y a beaucoup de débats en théorie du droit là-dessus. Je ne veux pas rentrer dans ces questions-là, mais enfin, c'est en tout cas un débat extrêmement intéressant. Je voudrais aussi, bien sûr, rappeler que, je l'ai dit au passage tout à l'heure, que, en réalité, cette première approche du global law, comme interprétation, reconstruction du droit établi, elle est quand même pas forcément, au fond, toujours en mesure de prouver l'avènement de ce qu'elle attend, qui arrive, puisque, en réalité, très souvent, c'est le contraire ce qui arrive, c'est le contraire de ce qui est attendu. En particulier, il exerce que, par exemple, tout à l'heure je le disais, la Cour internationale de justice continue effectivement à protéger. Il y a un arrêt tout à fait important, c'est un arrêt de 2002, Allemagne contre Italie, sur les immunités des États, et qui considère effectivement que même lorsque les États ont porté atteinte les plus graves au droit humanitaire, au droit de l'homme, eh bien, ça n'enlève pas le principe d'immunité des États. Une jurisprudence très conservatrice, pour le moins, qui ne fait pas du droit des droits de l'homme, je dirais, la clé de voûte du droit international. La clé de voûte du droit international, c'est en quelque sorte les immunités, donc c'est la protection des États. Donc c'est tout à fait, c'est bien que le droit international, pour la Cour de justice,
c'est bien une société d'État avant d'être une société qui concerne les individus qu'il faut protéger, par la Cour internationale de justice notamment. Elle ne les protège pas. Elle préfère protéger les États. Donc c'est bien, c'est significatif. Donc le droit ici, la théorie du global law, c'est un signe négatif pour le global law. Mais encore une fois, ce n'est pas un signe décourageant, parce qu'il y a quand même des gens qui saisissent la CIJ pour demander que, précisément, les droits de l'homme soient respectés. Puis il y a des juges dissidents. Notamment, j'ai pris d'ailleurs la citation d'un des juges dissidents de cette affaire des immunités de juridiction. Je n'ai pas d'ailleurs noté son nom, mais ce juge dissident, dans cette affaire des immunités de juridiction, arrêt du 3 février 2002 de Allemagne contre Italie, ce juge dit que la position de la CIJ se heurte de manière frontale au droit d'accès à la justice des victimes des violations et est en contradiction, je cite toujours, avec le rôle premier de la justice internationale qui doit être guidée par l'ultime finalité qui est la réalisation de la justice. Voilà une conception du droit international, effectivement, qui est celle des juges naturalistes, qui n'est pas celle de la majorité des juges de la Cour internationale de justice. Mais d'ailleurs, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, elle considère que les États ne doivent plus mettre en évidence leur immunité lorsqu'ils ont violé. Ça va de soi, parce que la CEDH n'aurait plus de signification si elle devait appliquer les immunités en cas de violation des droits de l'homme. Donc, on voit bien effectivement qu'ici, la CIJ aurait pu s'appuyer sur la jurisprudence de la CEDH. Elle ne l'a pas fait. Mais la CEDH elle-même n'est pas non plus à l'abri de tout reproche, du point de vue effectivement des global lawyers, puisque la CEDH, il ne faut pas oublier que c'est quand même aussi une cour de droit international, fondée par des États, par un traité international, et qu'elle est très sensible finalement aussi, non seulement bien sûr, elle est sensible heureusement aux droits des personnes, aux droits humains, aux droits de l'homme, et qu'elle protège pas assez bien, mais en même temps, elle est aussi sensible parfois quand il n'y a pas de consensus au sein des États de la partie à la Convention européenne, elle est sensible effectivement à ce qu'elle appelle la marge d'appréciation nationale, qui permet par conséquent à la Cour, ainsi que le sens est discrétionnaire, parce que la notion de consensus, ça ne veut rien dire, il n'y a jamais de consensus total de toute façon, donc on peut choisir dans ce qui nous intéresse le plus, et souvent, effectivement, la Cour choisit de plus en plus souvent, notamment, elle est très agressée, notamment par certains pays, notamment par le Royaume-Uni, quelques années, notamment sur la protection des réfugiés, etc. Donc elle a souvent reculé pour dire « Ah ben, il n'y a pas de consensus, donc je ne protège pas ce qui aurait dû être protégé au titre de la Convention internationale. » Bon, on voit bien effectivement quand même la CEDH, en réalité, n'est pas non plus une cour de global law, elle reste effectivement aussi les pieds effectivement, dans la société des États, hein, en quelque sorte. Et ne serait-ce que les cours nationales de justice également n'ont pas satisfaction nécessairement non plus à ceux qui revendiquent devant elles la protection des droits de l'homme lorsque ces droits de l'homme ont été violés dans des pays sur lesquels n'ont pas juridiction. Mais elles pourraient, si elles le voulaient, se saisir au nom du droit global, du droit international, du droit de la justice, se saisir d'affaires effectivement où on a gravement violé le droit humanitaire ou le droit des droits de l'homme, parfois ils le font, mais le plus souvent ils ne le font pas. Donc, le droit global comme normativité alternative, j'en ai déjà parlé, donc j'en parlerai ici à nouveau, mais très peu, simplement pour dire que ces normes émergentes, en réalité, sont des normes d'application volontaire, mais en fait, le fait qu'elles soient d'application volontaire, personne n'impose d'imposer l'accord de Shanghai à qui que ce soit. Les agences de notation donnent des notes en fonction des normes qu'elles définissent, mais personne n'impose à un investisseur d'investir uniquement s'il y a une bonne note de la part de l'agence de notation. En réalité, elles sont des agences, ou de même, il y a des agences de notation en matière de protection du travail, de protection de l'environnement, en matière de responsabilité sociale et environnementale. Il y a des agences de notation. Nicole Cotta, une syndicaliste française, a créé d'ailleurs une agence de cette nature. Personne n'oblige les entreprises à se rallier aux normes et aux règles de ces classements et de ces indices de protection sociale, mais elles le font parce qu'elles veulent se créer des marchés, elles veulent pouvoir annoncer à leurs clients qu'elles respectent effectivement, que leur marque est associée effectivement à la protection la meilleure sur la base d'indices qui sont fixés par telle ou telle entreprise. De même que IKEA ou d'autres entreprises de cette nature finalement respectent les normes de l'importation des bois qui sont fixés par le
Forest Stewardship Council, qui est un organisme ONG, qui a défini effectivement les critères effectivement, de protection de la biodiversité en matière de bois, et qui a effectivement considéré que tel type de bois ne pouvait pas effectivement être importé, ou même effectivement importé, mais même. Enfin, il ne pouvait pas imposer qu'il ne soit pas coupé, mais en tout cas imposer qu'il ne soit pas vendu et importé. Et donc, ben, l'IKEA s'est rallié effectivement au critère du Forest Stewardship Council, de même que beaucoup d'entreprises effectivement en importation de poissons respectent les normes du Marine Stewardship Council, et qui est un autre organisme, une ONG. Tout ça parce qu'effectivement, ça leur donne une légitimité par rapport à leurs clients, et ça leur donne une visibilité. Encore une fois, par conséquent, ces normes sont d'application volontaire, mais elles sont d'une très grande contrainte, en fait, parce que dans cet espace-là, il n'y a que ces opérateurs privés normalisateurs qui créent des normes, et les seules normes auxquelles on peut se rattacher. C'est la même chose pour les normes comptables, où l'Union européenne avait que le choix, soit de se rallier aux normes américaines, soit de prendre les normes finalisées par l'IFRS, de cet organisme normalisateur des normes comptables, qu'elle a par conséquent pris comme base. Alors elle n'a pas, je dirais, forwardé complètement ces normes, elle l'a pris là, comme base ces normes, pour pouvoir effectivement, parce que par définition, l'Union européenne elle est obligée effectivement d'avoir une norme commune. Et ces normes communes, soit elle les crée toutes pièces, mais c'est absurde. Pourquoi ces normes seraient-elles communes seulement à l'Union européenne et pas à une partie plus large du monde? Donc en réalité, ces normes comptables, par définition, elles doivent être partagées, autrement elles n'ont plus de signification. Et donc elle a choisi ces normes privées qui ne demandaient pas forcément à s'imposer, et qui ne s'imposent pas par elles-mêmes, qui sont des normes d'application volontaire, mais qui en réalité s'imposent, parce que ce sont les seules qui peuvent être finalement utilisées. Donc, en réalité, on s'aperçoit que l'émergence de ces normes, c'est une chose, que par ailleurs, leur caractère contraignant, c'est autre chose, mais qu'elle s'est liée, l'émergence de ces normes est liée aussi au caractère contraignant de ces normes, de voir effectivement quels sont des éléments nécessaires. Et point important, c'est qu'elles sont des éléments importants, à la fois pour les investisseurs, pour les entreprises, pour les fabricants, pour mais qu'elles sont aussi significatives et importantes pour les États, pour les administrations, pour les organismes publics et pour les juridictions parfois, hein, qui ont bien besoin de ces normes aussi, ne serait-ce que pour prévoir des présomptions en matière de preuve. Si on a respecté ces normes, c'est que finalement, on travaille de bonne foi et donc par conséquent, on n'a pas d'inquiétude à avoir devant un juge, par exemple. Donc tout ça, effectivement, ce sont des normes par conséquent qui ont une effectivité considérable. Et c'est ce que je voulais par conséquent dire ici. Il me reste à dire quelque chose auquel je tiens beaucoup, donc je vais prendre encore 2-3 minutes pour le dire, c'est que cette distinction que je viens de faire entre le droit global comme double normativité et le droit global comme normativité alternative, hein, là on va parler des nouvelles sources sociales, en réalité cette distinction pourrait être aggravée en quelque sorte en disant, mais finalement, il y a deux choses tout à fait différentes. On parle vraiment de deux choses complètement différentes. J'ai longtemps pensé que c'était le cas et je ne le pense plus maintenant tout à fait. C'est-à-dire, c'est deux choses très différentes. Dans un premier cas, le droit global comme double normativité, au fond, c'est une approche doctrinale du droit. C'est-à-dire, c'est le droit tel qu'on le connaît, en termes de qu'est-ce qui est valide comme un raisonnement juridique. Au fond, le droit implique à la fois les sources sociales plus leur interprétation par les principes. Les principes, finalement, font partie aussi du droit, en quelque sorte. En tout cas, leur utilisation produit du droit. C'est du droit tel qu'on le connaît, qui est du droit, on peut dire, valide, et qu'on peut utiliser dans le raisonnement juridique. Alors, en tant que juriste, en tant que professeur, en tant qu'avocat, hein, on est dans la doctrine du droit, tel qu'on la connaît. On n'est pas très dépaysé, en quelque sorte. Tandis que dans l'autre, et donc par conséquent, ici, on peut dire, même si dans la positiviste considérait que invoquer des principes à ce stade-là, c'est plus du juste naturalisme que du droit, mais beaucoup d'autres théoriciens du droit considèrent que, notamment Dworkin, notamment Wolpe, notamment Fuller, etc., et d'autres, considéraient que, bien évidemment, ce n'est pas encore du droit que d'avoir un raisonnement ascendant à partir des sources sociales, parce qu'au fond, les sources sociales, la volonté et la raison ne sont pas dissociables. Hein, c'est une théorie tout à fait très forte, finalement, chez les juristes. Donc, ça reste une approche doctrinale. Tandis que dans notre hypothèse, on est dans l'hypothèse de sources nouvelles sociales du droit, sources alternatives, et là on est dans le concept de droit sociologique, finalement on n'est plus dans l'argumentation des juristes. Aucun juriste n'invoque les normes de l'OMC, plutôt de l'OCDE, devant un juge. On est effectivement dans l'idée, effectivement, qu'on a des sources sociales du droit, de nouvelles sources sociales, mais c'est une approche sociologique du concept de droit, c'est plus une conception doctrinale du concept de droit. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment du droit? Et c'est là-dessus, effectivement, qu'on se sent embarqué des tas de gens
J'arrive dans ton ouvrage, a bien fait de dire que finalement, il ne fallait surtout pas rentrer dans ce débat-là, parce qu'on n'en sortira jamais. Et effectivement, il y a plusieurs méthodes. On peut dire le monisme juridique permet effectivement de faire rentrer ça, parce que c'est quoi le monisme? C'est l'idée que, si on prend Kelsen, hein, je n'ai pas encore parlé de Kelsen, mais si on prend Kelsen, le droit, c'est le système normatif le plus effectif sur un territoire. Alors, même si ces normes-là sont plus effectives que le droit de l'État, c'est celle, ça, c'est du droit. Hein, on ne peut pas, on n'a pas besoin de passer. D'être pluraliste pour être du droit. On peut seulement, dans le cadre du monisme juridique, considérer qu'elles sont efficaces, donc elles sont du droit. Bon. En même temps, on parle ici d'ordre juridique. Ici, ce ne sont pas des ordres juridiques, c'est des tas de petits ordres séparés. Donc, au fond, il est difficile que le monisme puisse justifier que ces normes soient des normes du droit. Alors, il y a l'option pluraliste juridique. L'idée, effectivement, que le pluralisme juridique permet effectivement de considérer que d'autres normes, que les normes de l'État soient du droit. Sauf qu'on sait très bien que si on se lance dans un pluralisme juridique de cette nature-là, en fait, on n'a plus de critères du droit. Certains d'ailleurs disent, parlons de pluralisme normatif, et c'est notamment par exemple Twinnings qui le dit, ou Mac, Twinnings en particulier, qui dit, finalement, arrêtons de parler du pluralisme juridique, parce qu'on ne sait pas ce que c'est le droit à ce moment-là, parlons du pluralisme normatif, ça nous soutient que non. On dort, mais on tombe sur des débats métaphysiques, je crois que c'est pas très intéressant. Je crois qu'en fait, il y a une autre interprétation, c'est celle qui maintenant me retient mon attention, parce que pendant longtemps, je cherchais, je travaillais dans ces perspectives du concept de droit, etc. Et notamment, c'était le cas de mon papier que j'avais fait dans mon ouvrage publié avec Freeman sur le concept de droit dans la globalisation, la science du droit dans la globalisation. J'avais fait un papier là-dessus, mais je crois que je me suis un peu perdu. Je crois qu'en fait, il y a une seconde approche. Seconde interprétation de la distinction de l'univers. En réalité, on la voit bien si on s'aperçoit que dans ces nouvelles normativités, en fait, ces nouvelles normativités, on l'a vu tout à l'heure, en réalité, elles sont efficaces que parce qu'elles sont, reprises, elles sont indispensables aux acteurs, y compris aux États, y compris aux entreprises aussi, mais qui en réalité les regardent comme du droit, en fait, qui les regardent comme. Qui en réalité, en les. Les intégrants dans la stratégie, je pense notamment les États, les établissent comme du droit dans les sources sociales classiques. En réalité, il n'y a plus trop de grandes différences entre le global law comme double normativité et le global law comme nouvelle source sociale, puisque dans le cas du global law comme nouvelle source sociale, on a finalement ces nouvelles sources sociales qui créent des principes, qui créent des normes, des standards, qui sont inscrits ensuite dans le droit établi dans les sources sociales classiques. D'ailleurs, je vous parlais de l'OCDE et de la réforme des universités. L'OCDE, c'était effectivement les nouvelles normativités, mais en réalité, ce ne sont plus les nouvelles normativités, ce sont maintenant des normativités tout à fait classiques. Et c'est pareil pour les normes comptables des FRS. Donc tout ça, effectivement, se transforme en réalité dans le droit établi. Et en réalité, par conséquent, on a peut-être pas une interprétation, une construction du droit établi avec les principes, mais on a quand même des principes, des standards qui migrent vers le droit établi. Donc en fait, la différence n'est pas considérable. Et je crois qu'en réalité, il me reste simplement un dernier point, mais que je vais évoquer, c'est que dès lors, effectivement, qu'on voit effectivement qu'on retrouve une unité finalement dans le global. L'idée, effectivement, qu'il y a bien sûr un droit établi, qui est toujours là, mais qu'il y a derrière ce droit établi, il y a des normes internationales, des normes globales qui l'inspirent, qui permettent de l'interpréter, de le modifier. Les modalismes sont différents selon les cas, mais on a un schéma assez proche finalement. La seule différence peut-être, et c'est la seule question que je pose pour finir, c'est que est-ce que ces deux normativités, la normativité alternative ou la normativité du droit global comme droit international, comme droit universel, se fondent sur la même idéologie? Parce que peut-être que les standards, les principes à l'arrière-plan, les nouvelles normativités, ont plus à voir avec le néolibéralisme et avec même le libéralisme autoritaire, on n'y a pas plus ici sur ce concept très important, par le Brexit, voire surtout le Brexit, le libéralisme autoritaire, on impose à la Grèce la rupture de tous les principes et de toutes les libertés fondamentales que les Grecs pouvaient avoir. Hein. Bon, la liberté d'accéder à une radio publique libre, la liberté d'accès aux retraites, etc. Enfin bon, tout ça au nom du libéralisme autoritaire. Peut-être qu'effectivement, on a une idéologie très différente de celle du global law en tant qu'interprétation du droit établi, qui vise les points des principes de justice, des principes du droit de l'homme, etc. On est peut-être en présence de deux global law, mais cette fois-ci non pas sur le plan des sources, mais sur le plan des principes.
Merci.